Chers frères et sœurs, chers amis, bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci. Bon Dieu te permet de nous passer une bonne semaine. Et bon Dieu permet de nous saluer un nouveau sabbat. Que nous, bon Dieu, capable de bénir. Assoyez, bon Dieu permet nous là pour nous capables de venir passer un moment en pied. Pour nous venir faire gloire que lui-même seul lui mérité. Et puis pour nous passer dans la séance de formation. Nous disons bon Dieu merci pour grâce à bon Dieu. Fais-nous assoyez. Que chacun de nous qui l'a assoyez. Nous m'a déjà fait que nous content pas grand monde qui vient dans pied bon Dieu qui pas sorti béni que bon Dieu béni nous et pour nous capable commencer nous m'a demandé nous capable lever pour nous chanter dans numéro 217. Nous invitons nous pour nous capable mettre nous debout nous pour le chanter numéro 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veillant encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. Premier ange volant et rapide, sud trompette solennelle, près le Seigneur, le fide, le jugement va descendre du ciel. Babylone annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime. Ses fléaux veillent encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux, c'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour. Frère, lève les yeux. Du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'esprit qu'il porte la lumière de l'évangile annonçant ton retour. Veille encore bientôt dans la croix, notre roi paraîtra des cieux. L'immortelle victoire, voici le jour, frère, lève les yeux. N'a pas gardé même position, n'a pas ouvert Bible nous dans Psaume 117.
Psaume 113 de préférence. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, de maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux, sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. N'abaissez tête nous pour nous prier. Éternel, notre Dieu, nous disons merci pour grâce à accorder nous en ce soir. Pour nous venir dans le temps, pour nous venir dans la gloire que même seul nous mérite. Dans le moment ça, nous demandons pour que puissance Saint-Esprit soit capable là. Nous demandons présence pour qu'on capable retirer tout ça qui pas bon bon côté nous, afin que le moment que nous passé la soirée, nous sommes capables de glorifier. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous demandons pour nous capables chita. Et maintenant, nous demandons à. Ah, pour qu'on puisse passer pour nous à l'annonce, please. Frères et sœurs bien-aimés, amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon sabbat dans le Seigneur. Et rubrique annonce que nous gagnons. Et pour nous à Soya, c'est que habituellement nous toujours demandé les vendredis dans l'heure ça, pas de travail, tout le monde la caille. Donc l'important pour que nous soyons capables de rejoindre et qu'on soit pour nous capables de continuer à remercier bon Dieu, fait louange et compliment pour ça que lié dans la vie nous. Donc nous comptons ouais membre d'église à Soya et que demain matin si Dieu veut nous connaissons chaque premier sabbat du mois nous gain département n'a gain sabbat d'évangélisation avec ministère et personnel et pas oublier yo gain en pile bagarre en perspective. Donc demain dès 9h n'a gain culte d'adoration. Mais pas oublier, surtout demain à 4h, nous avons une table ronde avec les départements et ministères personnels. Donc, pas oublier, j'aime dire là, il y a un pile bagarre en perspective, petit groupe, cellules, tout ça. Jean et président t'ai expliqué. Donc, demain, si Dieu veut, à 4h précise, nous avons une table ronde avec le ministère personnel. Et puis, nous gagnons une grande première qui a rentré en ligne. Façon que leçon, l'école sabbat, nous te qu'on fait là. Donc, dès demain, si Dieu veut, leçon 1, la fête dans la classe. Donc, nous avons demandé pour tout le monde capable à l'heure. Et comme ça, nous capables d'étudier leçon yo ensemble, faire débat. Et comme ça, nous avons arrivé à comprendre. En pile belle bagaille que leçon a porté pour nous, surtout dans la semaine ça. Et nous gagnons le département d'OCA qui décrétait la permanence pour que les bails peuvent bon Dieu à manger chaque sabbat. Nous pas dire amen, frères et sœurs. Est-ce pourquoi nous demander pour nous capables toujours collaborer et comme ça, le département d'OCA capable, bien sûr, et Kimbe pour Mesli. Donc, c'est toute annonce que nous avons gagné. Déjà, nous souhaitons un bon sabbat et que demain, si Dieu veut, nous attendons toutes pour que nous capables de continuer à faire gloire pour mettre ciel là avec terre. Bon sabbat à tous.
juste avant nous passer dans le moment de formation, non? Nous allons chanter chantem non avec maestro non Frère Gaye 347. Et annonce mon frère et Paul Pate dit non que tout le monde devait se connaître, devait se faire sabbat laïque. Non seulement sabbat laïque, nous parlons de mouvement laïque, parlons de formation laïque. Ça veut dire nous connaissons tout le monde, mais des uniformes laïques. Tout le monde connaît une uniforme laïque, c'est bleu, noir, rouge, blanc. Thank you. Nous invitez-nous pour nous capables de mettre nous debout, s'il vous plaît. Et nous pouvons le chanter sans ça avec entrain, avec gaieté.
Maranatha. Jésus-Christ a béni. Que nous pas parler, comme dira le proverbe là, pas bien ou pas quoi, Jésus-Christ a béni. Amen. Par conséquent, que nous-mêmes qui croyons en lui, que nous-mêmes qui avons servi lui, que nous-mêmes qui avons marché ensemble avec lui, que nous capables de réparer nous pour ne pas rater et tellement ça. Nous profitons de l'occasion ça pour nous capables de dire également Maranatha à tout le monde qui a gardé nos sous YouTube, quel que soit côté où il est, et bien nous souhaitons bienvenue. Non. Programme spécial ça à Soya, nous accompagnés de sœur Marthe et frère Doriska de la Franque. Donc, n'a passé Mike là pour être capable de saluer nous également. Bonsoir sœur Marthe et frère Doriska. Bonsoir frère Jean-Bas, bonsoir l'église, bon sabbat. Bonsoir frères et sœurs. Nous sentons-nous contents de ce que Astroya nous là ensemble et que nous considérons le moment ça, c'est un nouveau commencement. Oui, c'est un nouveau commencement pour que nous soyons capables d'engager nous véritablement dans le travail bon Dieu parce que nous n'avons pas le temps encore. En nous prier pour l'un, en nous prier pour l'autre, pour que bon Dieu soit capable d'orienter nous véritablement vers le royaume des cieux, pour que le matin glorieux et nous tous combattants, pour que nous puissions recevoir la cour d'immortalité qu'il te promet nous de la fondation du monde. Oui, week-end ça, chers frères et sœurs, c'est un week-end tout à fait spécial. Côté que nous avons un séminaire, nous avons commencé ensemble avec les ce soir, nous avons continué ensemble avec les demain matin, Dieu voulant, et demain après-midi. Donc, pour nous tous qui là, qui t'ava et voulait prendre quelques notes, parce que nous pouvons nous en pile référence, et gagner papier à disposition nous et crayon. Donc, si toutefois nous voulons prendre note, nous sommes capables de faire un geste seulement, et les anciens qui là, sont capables de faire nous joindre. Papier avec crayon, n'a fait ça rapide parce que nous pas gagné en pile temps pour asseoir et gagné en pile bagaille pour nous capable couvrir. Donc thème nan, c'est pourquoi devrions-nous organiser sous forme de petit groupe. Pour qui ça? Eh bien nous t'a dû organiser nous sous forme de petit groupe. L'église t'a dû organiser sous forme petit groupe. Donc c'est un séminaire qui a trois grands chapitres là-dedans. À ce n'a pas pour couvrir deux et demain si de veut n'a couvrir troisième là ensuite pour nous capable continuer. Et si toutefois vous même capable suivre en ligne ou des questions, pas hésiter poser question dans chat là et comme ça vous êtes capable de trouver réponse. Jusqu'à avant que nous entrions d'emblée en nous couper fond nous et n'a demandé à frère Doriska pour capable demander bon Dieu présence li parmi nous à soir. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons remercier vous pour présence dans la vie nous, alors que Seigneur te conduit par nous jusqu'à ici, côté que nous pouvons parler en ton nom. En tant que pauvres et pécheurs, nous demandons vous capables de prier nous de nous-mêmes. Lavez-nous complètement dans le sang de l'agneau, afin que nous puissions avoir un cœur qui réceptif à ta parole, et en sortant d'ici, nous capables d'édifier à salut
en Jésus qui vit et qui est avec toi au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Oui, donc pourquoi devrions-nous nous organiser sous forme de petits groupes? Et premier bagage, nous avons commencé ensemble avec lui, et c'est avec leader ça que petit groupe là a commencé à prendre naissance, c'est ensemble avec Moïse. Nous connaissons Moïse, chef frères et sœurs, c'était lui-même qui était leader peuple Israël là, et c'est lui-même qui t'est doué faire peuple la sortie dans esclavage que bon Dieu t'est passé par lui-même. Et lorsque Moïse t'est commencé ensemble avec peuple là, d'après ça nous lit dans Exode 18 verset 13 pour arriver dans verset 27, moi pas plus mais côté nous et là si nous voulons nous capable jeter un coup d'œil, un regard là-dedans, mais moi-même m'a fait un résumé pour nous. Alors que Moïse a lui-même seul il était campé pour être capable de diriger peuple là, et c'est comme ça tâche là, charge là te vin lou pour lui en pile, parce que nous capable comprendre un seul homme campé à diriger des milliers de monde, donc ça pas aussi facile. Ça te vin fait que Moïse te vin épuisé, parce que il vin pas qu'à prendre repos, toute la journée gain jugement l'a fait, toute la journée gain plainte l'a tendé, toute la journée gain problème l'a résoudre. Ça a fait que Moïse était épuisé. Et le peuple a aussi été épuisé, parce que le peuple était toujours dans l'attente. Et il n'y a pas de attendre pour les païens arriver, pour être capable de joindre, eh bien, une solution. Et comme ça, nous connaissons Jethro, qui c'est le beau-père de Moïse. Eh bien, sous inspiration bon Dieu, eh bien, bon Dieu t'a inspiré Jethro pour ba Moïse yon conseil. Et il t'a insisté pour Moïse t'es capable d'entendre. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, Moïse t'étendé Jethro. Et comme Jethro t'a dit, c'est pour le capable, et bien, faire une subdivision par 100, par 1000, par 100, par 50, par 10. Et comme ça, et Moïse effectivement t'a choisi des leaders, et sous tout groupe Silayo, Moïse t'a metté des leaders, et leaders ça yo t'a vinn aider Moïse et bien non seulement râler en souffle mais gérer peuple là puis bien. Donc nous capable comprendre si c'est un seul monde qui a fait un travail, ou mettez plus énergie dehors, mais si ou gen plus moun kap edo fè travail là, eh bien travail là a fait pi bien, l'a fait pi vite. C'était kasa qui était représenté pour Moïse, côté que tout peuple a te vin content, parce que lorsque yo gen problème, eh bien yo te gen des moun qui était là pour ça, pour yo te capable venir à moun ça. Et comme ça, ils ont joué une solution. Donc Moïse t'est venu là seulement pour être capable d'entendre les grands problèmes, pour être capable de porter solution seulement à grands problèmes que le peuple a gagné. Donc nous avons continué pour nous qui l'autre exemple que nous gagnons. Oui, bien-aimé, frère, soyez bien-aimé, la servante du Seigneur, dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 96. Il dit que formation petit groupe, c'est comme base de l'effort chrétien, n'a été présenté par celui qui ne peut errer. Et il dit que Moïse était tellement surchargé de travail là, et bien bon Dieu, de susciter
Jétro. Et c'est ça que fait, il dit que Moïse, il était soulagé, non seulement il était soulagé, mais il était capable de jouir d'une vie qui était réellement équilibrée. Et Moïse, non seulement Moïse, nous capable ouais, l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pendant ministère sous terre, il était enseigné avec instance à discipline sur évangélisation. Côté c'est à base pour toute maison et tout le monde qui croit en lui. Il était utilisé lui-même maison Pierre et André comme centre évangélisation. En croyant, il était voué disciple dans le champ missionnaire. Eh bien, il était ordonné pour qu'il soit capable d'aller dans les foyers. Et à partir des foyers, il était créé, ça a eu un réseau dans des foyers convertis jusqu'à ce qu'il évangélisé toute la ville. J'hésitais, ouais, non seulement pour être capable d'établir l'église, mais il y a une famille spirituelle qui est composée de nombreuses familles. Eh bien, selon Marc 3, verset 13 et 14, Marc 13, verset 34, nous sommes capables de voir que Jésus lui-même, il a commencé le ministère, il a choisi un petit groupe de 12 disciples, il a appelé, il a formé, eh bien, il a voyé, eh bien, pour que lui-même, il soit capable de former et doter un réseau et des foyers convertis pour qu'il soit capable d'évangéliser Mounio. Eh bien, pour être capable de dire, pendant qu'il était formé, il était voyé, il était développé un ministère qui était utilisé dans le cas, dans le foyer, comme un centre de communion chrétienne et d'évangélisation. Et nous sommes capables de tout, selon Luc 4, verset 38, nous souhaitons que nous prenions note. Luc 4, verset 38 à 40, nous sommes capables de tout. Jésus, dans la maison de Pierre, il était guéri, belle-mère, il était guéri, et belle-mère de Pierre. Eh bien, nous, ça même, grand pile monde qui a commencé, qui était capable de mener le monde pour être capable de venir côté Pierre, côté Pierre, être capable de recevoir bénédiction de Jésus-Christ. Kaïsa lui-même, il était transformé en centre de fraternisation, de miracles et d'enseignement. Et nous sommes capables de voir encore Jésus, encore, selon Matthieu 9, verset 9 à 11, côté que Jésus lui-même, littéralement, la caille, un percepteur, eh bien, qui était le Matthieu. Et nous connaissons à l'époque ça, messieurs ça, eh bien, c'est une série de monde qui n'ont pas trouvé de bien, qui n'ont pas considéré, eh bien, et nous capables de voir tout. Et récepteur de pour ça, ils étaient considérés comme monde qui était indigne, que monde qui pas de sali pour eux, dit tout. Eh bien, pharisiens étaient considérés comme ça, une série de monde qui est indigne. Et nous voyons que Jésus lui-même, il était réalisé des choses extraordinaires dans ce moment-là. Et nous sommes capables de voir tout l'autre exemple Jésus selon Matthieu 9, verset 28, côté nous voyons que Jésus non seulement était dans le temple, dans la synagogue là, et nous voyons que Jésus était allé à la caille Zachée, la caille Jairus, Lazare, Martha et Marie, côté que bon Dieu te fait zone ça, et bien foyer ça, il était utilisé, côté que foyer ça, il était servi de 100 ans d'évangélisation. Et moi, ensemble avec aujourd'hui, qui a vécu aujourd'hui, eh bien, si toutefois que nous capables nous aller dans la Bible et nous utiliser l'exemple ça, eh bien, nous capables de faire même bagaille que Jésus lui-même, il te fait toute trajectoire pendant qu'il a vécu sur terre. Et pour nous capables de continuer, après Jésus lui-même, il te fait un travail comme ça, ensemble avec disciples, et c'est comme ça que disciples vont traiter là. Et nous avons demandé pour nous capables de Acte 2, verset 46-47. On m'a cherché pour nous, on a appelé pour nous montrer nous comment apporter même de continuer le travail là. Acte 2, verset 46-47. Acte 2, verset 46-47. Ils étaient, les disciples étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça montre nous, côté apôtre eux-mêmes, ils étaient toujours ensemble, ils étaient toujours regroupés, ils étaient toujours dans le temple et ils étaient toujours dans des maisons, ils priaient. Ils mangeaient ensemble et avec joie. Ça veut dire, pendant qu'ils sont ensemble, ils sentent contents. Et puis, ils mangeaient ensemble. Et puis, ils ont trouvé grâce devant le peuple. Et c'est une raison qui fait la Pierre est tombée dans la prison. L'église était toujours à prier pour Pierre.
La prier pour Pierre. Et après, il était venu trouver la Camarie. Il a prié la Camarie. C'est pour montrer nous l'importance de ce petit groupe-là. Ça veut dire que nous-mêmes, nous, en groupe, nous avons pile bagaille, bon Dieu, à faire parmi nous. Et pendant que nous avons travaillé comme ça, et c'est comme ça, nous fait nous comprendre. Pendant que nous avons mis ensemble, nous avons fait travail là, nous fait nous comprendre que bon Dieu était qu'on ajouter chaque jour. C'est ça, je viens de comprendre. Nous avons chaque jour, il me dit. Bon Dieu, ajoutez des âmes sauvées. Ça veut dire si nous besoin grandir, nous besoin que monde entre l'église, nous besoin que monde qui convertit, faut que nous mettions tête ensemble, faut que nous toujours réunis ensemble, faut que nous capables mettre petit groupe là sous pied et c'est comme ça nous garder n'a pour comment n'a pas avancé au nom de Jésus. Oui, nous ouais qui ça comment la Bible censé faire approche là. Donc pour nous-mêmes qui adventistes du septième jour, nous avons la Bible comme grande lumière, mais nous avons également l'esprit de prophétie comme en petite lumière. Maintenant, nous pouvons voir qui ça, la servante du Seigneur dit à propos de les petits groupes. Dans Testimonie, en tome 3, page 84, et n'a encouragez-nous prendre quelques notes parce que n'a besoin référence à en pile. Il dit la formation de petits groupes passe de l'effort chrétien m'a été présenté par celui qui ne peut errer. Donc formation petits groupes là qui se base effort chrétien, eh bien la servante du Seigneur déclarait Bon Dieu, te fait loueli et bon Dieu pas qu'on fait erreur. Donc ça, bon Dieu fait loueur, c'est ça lié parce que bon Dieu pas jamais menti. Donc là, il dit nous que pour que yon petit coup capable bien organisé, eh bien il dit que l'on constitue dans chaque église des équipes d'ouvriers bien organisées pour travailler dans le secteur de cette église. Chaque église, eh bien, dirigeant l'église, pasteur, ancien, eh bien, yo doit pour capable chercher des ouvriers et que pour capable organiser moun si la yo pour travailler ça capable faire. Nous joignons ça dans service chrétien page 91. Donc, l'esprit de prophétie pesait en pile sous petit groupe. Et nous parlons de quelques témoignages, comment ça marchait bien. Et essayons un bagage, lorsque l'église, d'accord, suive, marche à suivre, la prière est arrivée, mettez-le sous pied, eh bien, nous ne pouvons jamais suspendre faire baptême. Nous pas besoin tant de ces croisades pour nous capables de gagner baptême parce que l'église a au travail. Non, yon l'autre livre li déclaré que se forment des petits groupes qui se réunissent pour étudier la Bible le soir ou tôt le matin. Lorsque nous organisons un petit groupe, ça aide nous pour nous étudier la Bible le soir ou bien grand matin. Et puis devant, nous allons commencer à le faire parce que c'est ces gens, organisation, petit groupe pour le faire et c'est laisse ça nous pour le voir comment ça bon, comment nous pour en mesure et profiter pour nous capables étudier la Bible. La servante du Seigneur continue à évangéliser, page 111. Il dit, sous-titre là, c'est organisez-vous en petit groupe. Nous devons être organiser-nous en petit groupe. Il dit, si l'église est nombreuse, que les membres soient répartis en petit groupe, en vue de travailler non seulement pour les fidèles, mais aussi pour les incroyants. Si
l'église a gagné un pile monde. Un pile monde voulait dire si son l'église qui commence à 50 monde, 40 monde, 100 monde, 200, 300 monde, eh bien, l'église ça doit organiser un petit groupe. Lorsque nous organisons un petit groupe, là bon pour l'église, là, parce que avec plus l'amour entre nous, avec plus fraternité entre nous, nous avons remis un autre plus, et surtout, un croyant qui parle parmi nous, attendait l'évangile. Il a fait connaissance avec Jésus, parce que dans chaque rencontre qu'on a fait, il a appelé avec nous, il a appelé la prière, il a appelé la prière. Étudier la Bible, yo apla. Donc pour les incroyants aussi, ça a bon en pile d'après évangéliser page 111. Et notre testimony volume 3 page 84, il dit que nos églises forment des groupes pour se mettre au service d'autrui. Que plusieurs personnes s'unissent pour devenir des pêcheurs d'hommes, qu'elles aient à arracher des âmes de la corruption du monde et les conduire à la pureté salvatrice de l'amour de Christ. Il continue, même pas Japon dit, s'il y a beaucoup de membres dans l'Église, qu'ils organisent des petits groupes afin de travailler non seulement pour les membres d'Église, mais aussi pour les incrédules. Et dans le ministère évangélique, m'a conclu qu'on y a pour me dire que il dit faire connaître le Christ dans chaque famille ou dans de petites assemblées réunies dans un local privé réussit souvent davantage à gagner les âmes à Jésus que des sermons prêchés en plein air à la foule mouvante ou même dans des salles de conférences ou des églises. On pas compte si nous prenons sens ça que dit là. Ça que dit là, il faut en pile. Bon, reprenez pour nous rapide. OK. Il dit en créole. En créole, il dit pour nous capable faire connaître Christ dans famille ou dans petite assemblée, dans petite localité privée, eh bien, il dit comme ça, lorsque nous organisons un petit groupe, ça c'est même plus valeur, parce qu'il y a un prédicateur qui campait dans une grande salle qui a prêché, ou même l'église. Le plus facile pour nous être capable de toucher, c'est ça, il dit là, une dans ministère évangélique, page 187. Donc, les nous rivés, là, nous capables de continuer lire tout passage ça, parce que c'est vraiment important pour nous-mêmes qui chrétiens adventistes du septième jour. Oui, frères et sœurs bien-aimés, petit groupe qui n'a parlé aujourd'hui, c'est pour un bagage qui nous vient avec, c'est pas le premier monde qui est sur le podium qui a parlé petit groupe. C'est un bagage qui est déjà, et depuis le bon Dieu t'a créé le monde, il était que Adam était seul. Et c'est ça qui fait dit dans Genèse 2, verset 18. Et si nous lisons Genèse 2, verset 18, Jérémie 1, verset 4 et 5, nous sommes capables de si bon Dieu lui-même, il pas que était bon pour l'homme, il est capable seul. C'est parce que il était ouais que l'humanité et bien sûr être social qu'il dit. Personne pas grand monde qui t'est créé pour que tu es capable de vivre dans l'isolement. Et cruauté société moderne non, c'est que bien que nous nous entouré de un pile monde, mais nous presque toujours mais nous ouais que nous toujours seuls. Tel que c'est pas plan bon Dieu pour que petit lui-même il est capable de vivre dans l'isolement. Et nous capable de tout difficulté pour nous vivre expérience de communion ça et d'harmonisation ça que bien c'est quand il y a un pile monde il est difficile pour que nous capables fraterniser nous comme on d'a parlé dit frères et sœurs dans l'église qui d'a 1000 monde qui gagne 500 monde en pile fois il y a pas même connaît il y a pas même connaît que où exister
Comment que nous-mêmes nous capables fraterniser nous en tant que frères, en tant que frères et sœurs, si toutefois nous pas organiser nous dans un groupe et un moyen, et nous capables base de l'église adventiste là même nous-mêmes qui j'étais dans l'église, comité nous, ça y est, bon, petit groupe nous faisons un comité, les gardes dans Doka, nous gardes dans tout chef de département eux-mêmes, eh bien nous considérons, pour qui ça nous considérer dans le groupe, c'est côté que nous capables chita, nous capables fraterniser nous ensemble, eh bien nous capables venir à plan pour que avancement travail bon Dieu à lui-même, lui capable de faire. Eh bien, c'est ça que nous-mêmes, nous avons fait réitérer nous, pour que nous capables de mettre tête nous ensemble, pour que nous capables de travailler main dans la main, et comme ça, pour que nous capables de réaliser le travail bon Dieu. Nous capables, même modelant, nous venons copier, ouais, que lorsque nous réunissons ensemble, pour que nous capables de réaliser des choses extraordinaires, eh bien, pour qu'on réalise des choses, eh bien, nous même nous que ça permet de réaliser plus que ça, nous-mêmes, nous avons réalisé. Yo copie sur nous. Yo seul bagaille, yo pas mettre en pile en phase sur la fraternisation, sur tout ça que bon Dieu mandé que nous-mêmes pour que nous capable mettre en phase. Puisque nous-mêmes chrétiens nous appelons nous pour que nous capable vivre côté bon Dieu. Nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous capable fraterniser nous avec frères nous et avec sœurs nous et comme ça ou capable un problème li, il capable un problème ou nous capable prier ensemble et bien nous capable faire route là ensemble. Nous capable garder Peter Werner, eh bien, qui dit que croissance exclusive, c'est l'île, l'église là, eh bien, lui dépendait lorsque nous mettons toute barrière de côté pour permettre que croissance de l'église là, lui-même, lui capable d'augmenter. Eh bien, tout, l'église, même si nous avons fait retour dans l'église primitive, nous sommes capables de réaliser ça. Il y a un pile de bagages qui sont réalisés à travers l'église là, eh bien, c'est lorsque dirigeants, avec membres de l'église, ils te mettent tête ensemble pour qu'ils soient capables de vivre ensemble, de prier ensemble, de fraterniser ensemble. Laisse aller Saint-Esprit, bon Dieu, à l'œuvre, lui permettre que de réaliser des choses extraordinaires. Et nous sommes capables, à travers le 21e siècle, il y a une pile augmentation qui vient dans l'église, une pile l'église qui vraiment développer surtout l'église adventiste à travers petits groupes. Et c'est ça que nous-mêmes, nous devons faire tout ça qui dépend de nous. Pour que nous soyons capables de gagner un climat de paix, un climat de fraternisation entre frères et sœurs. Côté nous gagner pour nous capables de prier ensemble, nous capables de manger ensemble, et bien nous capables de travailler pour mon Dieu. Et David Cox, il dit que petit groupe que mon Dieu utilisait, eh bien, il a arrivé certainement et à permettre que le travail bon Dieu est capable de faire. Non seulement le travail bon Dieu est capable de faire, et bien à partir de l'expérience, nous. Ça permet que nous capables d'unir jusqu'à ce que Jésus lui-même lui retourne. C'est why dit que il voit les saints qui t'a quitté ville, il t'a quitté village. D'après premiers écrits page 282. Il dit que il voit saints qui a quitté ville, qui a quitté village, mais il réunit par petit groupe et bien il a vivre dans les lieux plus reculés. Ça veut dire que grand moment qu'a gain pour venir frères et sœurs bien-aimés. Les gain courir et bien courir n'a ou êtes capable de madame, ou êtes capable de Marie, ou êtes capable de petit, et bien vous êtes capable de réunir pour que nous capables prier, et bien pour que nous capables, pour bon Dieu capable d'aider nous. Laisse ça, nous capables dans le moment ça, et bien bon Dieu est capable d'épargner nous. Et puis pour nous capables de continuer, chers frères et sœurs, nous sommes Moïse, nous sommes Jésus, nous sommes disciples. Et puis nous, quand nous allons passer dans la partie séminaire, de à côté où nous allons définir un petit groupe, côté où nous allons parler de l'importance de petit groupe, côté où nous allons parler de qui valeur et qui éléments fondamentaux petit groupe. Nous définissons petit groupe selon Grégory Lawson. Il dit que petit groupe, c'est une cellule de 10 à 12 personnes qui réunit en matière. Ils réunit pour qui ça? Pour être capable. Adorer, pour qui ça? Pour être capable d'étudier la Bible et pour l'œuvre missionnaire et puis pour la prière. Et puis on dit nous, selon Roberta dit nous, un petit groupe, si on rencontre, même j'ai côté, on dit nous, de 12, 10 à 12 personnes, mais c'est face à face. Ça veut dire, faut nous guetter et puis faut nous rencontrer pour nous capables de prier. Il dit, on dit nous, si toutefois nous faisons travail ça, n'a regardé n'a pouvoir comment n'a multiplié comment l'amour poil envahit nous comment yon poil remet l'autre et puis n'a grandi spirituellement et c'est comme ça il dit nous là comme ça
n'a pas capable faire travail là, yon n'a pas comprendre problème l'autre. Et c'est ça que fait dire nous, faut que nous réunissons pas de plus que 10 à 12 personnes pour qu'ils réunissent face à face. C'est ça qui veut dire petit groupe là. Et puis faut nous gain temps. Et n'a pas c'est à Frère Jean-Bas qui a continuer ensemble avec nous pour parler nous des valeurs et qui éléments. Yo, bonne 6 raisons importantes. Qui expliquait pour qui ça nous besoin organiser, nous pour qui ça l'église besoin organiser en petit groupe. Premièrement, Lydie, le petit groupe est un puissant catalyseur à la croissance qualitative et quantitative de l'église. C'est un puissant catalyseur. Pour nous-mêmes qui sommes à Haïti, qui fait expérience évangélisation Haïti, qui adventiste Haïti, nous comprenons ça que dit là bien. Parce que nous comprenons que en pile l'Église évolue en un clin d'œil, c'est grâce et par rapport à programme petit groupe. Et c'est deux temps, trois mouvements, nous, l'Église, il a poussé, il y a l'autre moment. L'église est en plein, soit en ailleurs, il y a à l'ouvrir l'autre l'église. Donc, petit groupe, c'est vraiment un catalyseur lié à la croissance de l'église. Deuxièmement, sur le plan organique, petit groupe, il aide l'église à faire de nouvelles pénétrations en jetant la base d'autres congrégations. Troisièmement, petit groupe là, il joue un rôle très important dans la consolidation et la rétention des membres d'église. Quatrièmement, petit groupe là, il favorise la communion chrétienne et fraternelle. Et pour nous-mêmes qui nous la l'exemple longtemps, nous, école sabbaté, qui ont programme longtemps et c'était à gap fraternel, nous te voir comment ça te porte fruit, nous te voir comment ça te bon, ça te permet à ce que l'église te get tout together. Et cinquièmement, il donne à leurs membres la capacité de prendre part à un ministère et à mener ce ministère. Ça, c'est cinquièmement. Et sixièmement, il constitue le complément des grands groupes. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, c'est 6 raisons ça qui important en pile qui expliquait pour qui ça l'église nous là dans jodiant, l'église adventiste et l'église Bethléem en particulier nous besoin organiser nous en petit groupe. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous pas justement parler de petit groupe, parler de petit groupe. Ça qui est important, il faudrait qu'il y ait un engagement qui prend. Engagement qui prend pour que nous capables d'atteindre l'objectif. Nous véritablement, il faudrait que gagnons nous accepter pour que nous capables vivre ensemble. Nous capables prendre engagement nous pour que nous capables travailler ensemble. Lorsque y a un problème qui existe, c'est que nous sommes capables de comprendre l'un l'autre. Lorsque nous pas de travail, eh bien nous sommes capables de chercher travail pour nous aider l'autre là. Lorsque nous connaissons un problème qui existe dans le foyer, nous pouvons aider. Lorsque nous connaissons l'autre là, payer et tout, même si nous tous nous pas capables pour contre nous, même si nous mettons ensemble, peut-être que nous sommes capables d'aider mon nom à problème là. Mais faut nous être honnête tout entre nous pour que ça passe dans le groupe là, il faut arrêter entre nous. Les gens ont problème, ils ont mambio pour que nous puissions fraterniser ensemble. Faut chaque membre qui dans le groupe là tout gagne une confidentialité. Si mon grand groupe, faut me assurer que me dit frère Filton que mon grand groupe mon problème là dedans pour que me connaisse que frère Filton pas vendre moi. Et faut me sensibiliser tout les frères guerriers raconter un problème là pour me dit bon, qui ça nous capable faire pour nous capable aider frères guerriers. Nous de responsables tout et puis lorsque nous vienne prendre responsabilité nous et bien n'a capable de reproduire. Laisse ça, nous venons réaliser que entre moun yo qui dans groupe ensemble avec nous tellement fraterniser nous tout nous besoin l'autre monde tout côté que n'a gagné pour que nous capable fraterniser nous avec monde ça yo.
Eh bien, pour que nous capables faire, il faudrait qu'il y ait un engagement véritable qui prend pour que nous capables entendre nous très bien, nous capables prier ensemble pour que l'Esprit bon Dieu lui-même soit capable d'aider nous et comme ça, nous sommes capables d'avancer. Non seulement il y a travail, il y a l'autre monde qui a bien pour participer dans un petit groupe là avec nous, eh bien, il y a pour que nous-mêmes sommes une série de monde qui reflète caractère Jésus, eh bien, nous-mêmes sommes une série de monde qui sont capables d'affilier à nous-mêmes parce que c'est le monde qui est prêt pour capable aider. Ok, pour nous capables continuer. Maintenant, nous arrivons dans la partie côté les éléments fondamentaux d'un petit groupe. Premièrement, dis-nous, c'est la prière. La prière. Yo dit nous, mais qui occasion qui capable de mettre en phase sur la prière pour ne pas jamais négliger. Premièrement, nous devons gagner une retraite spirituelle. Deuxièmement, nous devons gagner une semaine de prière des petits groupes à domicile. Ça veut dire, le petit groupe là, il doit organiser comme ça, puis faire semaine de prière lui-même, lui, il est capable de faire. Et puis, nous devons chercher côté pour nous capable de faire. Il faut avoir un groupe de prière, il faut avoir une visite de prière. Il faut une journée de jeûne et de prière. Il faut une veille de nuit. Il faut une chaîne de prière. Pendant que je dis là, pendant que je t'ai préparé, je suis arrivé dans ça, je suis content. Pour qui ça, je suis content, surtout dans la chaîne de prière. Chers frères et sœurs, c'est très, très important et très belle. Ça aide nous en pile. Parce que je me rappelle dans un petit groupe que j'étais à Haïti. Depuis dans des chaînes de prière, ça. Nous avons là, chaque 9h du soir. Tout le monde, quel que soit côté ou la caillou, va prier. Nous gagnons même chant. Nous gagnons même hymne de louange. Ça veut dire, tout le monde, nous gagnons 326 ou être déjà à genoux, à chanter. Adona, tout le monde, quel que soit, vous êtes dans le quartier ensemble, vous tendez à prier ensemble. Parce que nous, tous, nous faisons chaîne de prière, nous prions parce que c'est la prière en nous. Nous avons 357 qui dit. C'est un pas que nous tous connaissons parce que ça ne se chante pas nous. C'est très important, petit groupe là, à aider nous en pile pour nous capables de grandir, pour nous marcher selon le principe bon Dieu. Aider nous, à montrer nous pour nous capables de prier et nous prêter en prière. C'est tout ça, vous parlez nous, puis vous dites nous comme ça, comment nous devons rester en prière. Puis nous faisons partie de petit groupe. Là comme ça, nous prêtons. Pour y avoir une poêle nourriture nous, pour nous capables de prier. Parce que quand vous êtes comme ça, c'est mat. Tel monde en danger là. On nous prie telle chaîne de prière. Ça veut dire, yo montre nous côté, deuxièmement, la lecture de la Bible. Yo dit nous, lecture de la Bible là, lui-même l'a aidé nous pour nous capables de grandir spirituellement. Premièrement, lecture quotidienne. Chaque jour, nous devons pour nous capables de lire la Bible. Petit groupe là, pour mettre tout ça au sous-pied. Plan lecture annuelle nous. Classe Bible, petit groupe. Nous sommes pour nous capables de journée de lecture. D'autant de journées, ça, tout le monde réunit jour ça. Bible nous n'a pas nous, nous sommes anciens français, campé là, faut chercher qui lecture qui allait avec tel chant. C'est ça que fait parfois, l'on prépare un message, vous connaissez, chant ça avec telle lecture. Vous apprenez nous ça. C'est journée ça, c'est journée pour tout le monde venir, nous faire lecture de la Bible. Et puis après, nous faire commentaire. Vous dites nous pour nous capables de participer dans toute conférence publique. L'on a un service, où est là, petit groupe là, où est là. Faut nous capables de venir prendre note et puis pour nous partager qui ça te dit. C'est tout ça qui montre nous, qui aide nous. Si toutefois nous mettons petit groupe campé dans l'église, l'église a avancé au nom de Jésus. Et pour nous capables de dire nous tout, ça que nous même n'avons rien pour nous vivre. N'avons pas moment que nous n'avons rien pour nous vivre. Nous tellement fraternisés nous avec Monsayo et n'avons rien pour nous mener Monio là, venir témoigner l'église là. Chaque monde qui a gagné, qui a travaillé avec le monde qui est dans le groupe là, eh bien, au moment qui a gagné pour arriver, on se sent confortable lorsque bon Dieu réalise un bagage pour le monde ça, on est capable de mener le monde ça, l'église là, pour le monde ça capable de témoigner qui ça bon Dieu fait pour lui. Et à travers le témoignage, lui, et l'autre monde qui peut faire bon Dieu confiance, eh bien, il est capable d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, comme ça, il est capable de gagner la vie éternelle au dernier jour. Parce que témoignage dans l'évangélisation, c'est un bagage qui est extrêmement important. Parce que lorsqu'on a un témoignage personnel, et dans le témoignage personnel, là, eh bien, ça permet que pendant chaque semaine, dans l'évangélisation hebdomadaire qu'on a fait, on est capable, ça permet que les gens qui ont gagné pour faire expérience avec Jésus, eh bien, les gens qui ont gagné un bagage pour être capable
dit pour bon Dieu. Mais cependant, pour que nous capables de réaliser et bagay sa yo, mais il faudrait que nous-mêmes nous concentrions nous pour que nous capables qui j'en a concentré nous de concentrer nous par la prière et par la supplication et même s'il le faut même jeune même que nous devons faire dans petit groupe que nous-mêmes n'a gagné pour que nous capables faire partie là-dedans et frères et sœurs capable dit nous n'a saisi tant dès que n'a pour que Bethléem pas besoin de dépenser des milliers et de dollars pour que nous capables faire une grande croisade évangélisation. Nous capables faire un programme pour l'église, nous capables venir ensemble, nous capables fauter ensemble, nous capables fraterniser nous ensemble, nous capables prier ensemble. Mais nous pas dépenser quoi pour nous faire quoi d'évangélisation pour nous mener monde dans l'église. Moun sa yo cap gagner que cap que n'a enseigné yo, moun sa yo cap gagner pour côtoyer nous à travers présence nous, moun sa automatiquement y a ancré dans Jésus, a accepté Jésus et lorsque vous entrez dans l'église là, eh bien, nous ne pouvons pas planter dans la porte devant pour que nous soyons capables de sortir dans la porte à côté. Pour que cela se fasse, il faudrait que nous, chaque là, nous prenions engagement. Nous, chaque là, nous décidons de dire que nous avons un monde que nous sommes capables d'inviter, nous sommes capables de parler ensemble avec elle, nous sommes capables d'intégrer nous dans un groupe. Nous avons commencé à partir de trois mondes. Et bien, nous avons augmenté le groupe là jusqu'à ce que nous arrivions comme ce matin. Dis-nous que nous n'avons pas gagné trois mondes. Parce que les nous avons trois personnes dans le groupe là, nous n'avons pas de possibilité assez pour que nous soyons capables de prendre soin de l'autre, nous sommes capables de penser à l'autre. Mais lorsque nous avons un maximum de 10 à 12 personnes que nous avons dans le groupe là, ça permet que nous soyons fraterniser, nous avons temps pour nous relever l'autre et bien pour que nous soyons capables de faire le travail bon Dieu ensemble. Il est vrai que nous n'avons pas de possibilité pour que nous tous, chaque jour, nous soyons capables là. Mais cependant, nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables d'engager nous ensemble. Nous toujours après les autres là, nous capables, nous toujours à travailler ensemble pour permettre que pour Dieu lui-même, il est capable d'unir nous et comme ça nous capables rapprocher nous plus près de lui-même et comme ça nous capables évangéliser et ça qui a vivre de yo sans espoir, finalement, il est capable de gagner Jésus pour sauver et Seigneur yo et comme ça lorsque Jésus retourne, yo même tout pas dit Jésus pas dit yo sorti sous moi chien pas de connaître nous. Mais il est capable de recevoir ce que bon Dieu lui-même était réservé pour petit Dieu. C'est là que nous campons pour ce soir. Nous allons continuer avec la présentation demain après-midi, Dieu voulant. Et nous campons là, c'est pour nous capables de nous opportunités. Si toutefois nous avons quelqu'un qui question, ou bien. Lumière ou bien témoignage nous-mêmes qui passons là-dedans déjà donc ça a vraiment aidé donc chers frères et sœurs petit groupe là c'est bon Dieu qui m'a demandé pour nous capable faire et puisque c'est bon Dieu qui m'a demandé pour nous capable faire même si nous sommes en Amérique même si nous n'avons pas de temps bon Dieu t'es déjà comme ça qui ont façon quand même pour nous capables faire et depuis nous faire avec l'aide du Saint-Esprit eh bien la prend et travail qui doit faire la fait n'a mieux préparé nous et l'autre monde qui pour connaître Jésus a connaître Jésus pour capable rentrer au bercail. Maintenant si nous avons des questions nous a point qui gagne main derrière. N'a pas de pour te micro pour nous, s'il vous plaît. Donc, il y a des mondes derrière. Bonsoir, l'église. Bonsoir, mon frère. Question par maintenant, nous venons à dire bravo pour conseil et puis bravo pour obéissance tout. Et ça ne veut pas là. Conseil Moïse était obéi à Jétro, était pour à Jétro, il a accepté. Est-ce que ce n'est pas parce que Jétro était bon père Moïse qui fait qu'il a accepté conseil là, n'a plus aujourd'hui. Est-ce que c'était dans public qui sont en esclave, qui pas connaît en rien, qui est conseil. Est-ce que vous pensez qu'il t'a pas obéi à conseil ça?
Attendez, Moïse, c'était ses serviteurs bon Dieu. OK? Donc, comme serviteur bon Dieu, Moïse compte voir bon Dieu. Par conséquent, même si ça me dit après écrit qu'un côté, c'est moi qui pense ça. Je pense que par quel que soit canal, bon Dieu t'est passé, t'es voué par le Moïse, il t'attendait parce que Moïse t'est voulu pour travailler la terre, bien fait tout. OK? Littéralement, même peuple là, il t'est considéré comme berger peuple là, il pas t'a voulu pour peuple là souffrir, donc il t'a d'accord quand même. Par quel que soit canal, bon Dieu t'est passé. C'est opinion, pas ça, pas écrit, quel côté? Vous voulez faire comprendre la couleur, en pile fois, nous va attendre de voir l'Éternel. Bon, par contre, comment vous faites dire ça, mais vous posez en question de Moïse, moi, il y a une réponse qui est appropriée à Moïse. OK? Est-ce que vous avez l'autre question? Nous dit un pile bagaille. On me pose des questions, micro non même. Bonsoir à l'église. Bonsoir ma soeur. Samda, mais qu'on est, est-ce que gen moun qui pas confond, qui confond entre groupe de prière avec petit groupe? Parce que gen moun qui gen doit penser là dans groupe de prière, c'est lui même qui petit groupe là, ou bien est-ce que petit groupe là c'est petit frère groupe de prière? Et ça n'est capable de dire là, et groupe de prière, il est inclus dans le petit groupe là tout. Parce que prière, elle est même le fondamental. C'est que lorsque nous entrons dans le petit groupe, demain, si Dieu veut bien plus d'informations là-bas, nous, nous avons formé le petit groupe là, qui j'en a commencé, nombre de temps que nous avons bien pour nous prendre, qui j'en qui ça que nous-mêmes avons fait dans le petit groupe là. Vous comprenez bien? Et la prière, elle fait partie du petit groupe là. Mais ce n'est pas seulement la prière que le petit groupe là, il y a d'autres activités que nous avons pour nous capables de faire dans le petit groupe là. Tout. Oui. Donc, comme Frère Doris a dit, si on a un groupe de prière, pas maintenant dans l'esprit, c'est un petit groupe. Parce que demain, si le veut, il y a quelques autres choses qui continuent de petit groupe. Ça veut dire. Li gen prière là-dedans, li gen pile prière là-dedans. La prière c'est un élément clé, ok, nan ensemble qui fait un petit groupe point bien, mais c'est pas seulement ça gen pile l'autre bagaille toujours, ok. Est-ce que gen l'autre question? Et ça Yvon, c'est fini encore. Petit groupe là, il n'y a pas n'importe quoi comme ça. C'est l'église, c'est dirigeant qui met. Ou quand on a des consommateurs, on met deux personnes ensemble, nous disons qu'ils font un groupe prière. Là, il y a un contrôle. Et c'est ça qui fait nous inviter, nous demain, si Dieu veut, pas rater. Parce que le plus gros bagage là, c'est demain, si Dieu veut, après trouver le séminaire. C'est là, nous devons apprendre un pile bagage et comment la sortir et comment la faire sous pied. Ce n'est pas n'importe qui qui met sous pied. Et c'est pas on bagay aussi nous a dit bon et jeudi pour demain nous était sous pied. Non, demain c'est si de veut n'a pour qui quantité de temps l'état supposé prendre pour les capable et bien et en marche. Donc nous censé être là pour assoya. Donc nous espérons, nous tous qui là, nous bien comprendre, nous bien saisir, parce que lorsque yon exposé fait, si pas gen trop question, si soit gen yon compréhension, et nous espérons c'est une bonne compréhension qui gagne, qui fait que nous pas trouver plus question. Mais mettez ça à l'esprit nous, petit groupe là li vraiment important. Li important dans l'église papa bon Dieu. Et c'est bon Dieu même qui dit nous doué pour nous capable faire, nous doué pour nous capable
formé petit groupe dans l'église. À vous-même qui t'a suivi nous en ligne, nous disons merci et que nous bannons rendez-vous demain matin si de veut pour le culte d'adoration qui a commencé avec l'école du sabbat à 9h. Et dans l'après-midi, nous avons tourné là pour nous capables vin fini avec un séminaire spécial ça qui parlait de la formation des petits groupes. Avant nous aller frère Jamba, nous voulons dire tout le monde qui l'a souhaité. Nous pas besoin inquiéter nous de rien, Bible a dit ça. Nous pas besoin inquiéter nous dit que nous pas gagner en connaissance biblique pour que nous capables intégrer dans petit groupe. Petit groupe là, tout le monde qui dans l'église là, nous devons faire partie de un groupe d'évangélisation. Nous devons faire partie de un groupe côté que nous avons réfléchi ensemble. Pas souhaiter que nous yons, t'as dit que nous pas de temps. Ou bien doit pas capable, ou bien doit capable un leader, mais ou pas de temps pour qu'on capable leader, mais ou capable toujours dans un groupe là, mais lorsque ou là, ou capable aider. Façon qu'on est capable. Nous sommes certains demain après-midi, nous avons venu pour que nous soyons capables de voir ensemble qui gens que nous sommes capables de grouper nous ensemble, qui gens que nous sommes capables de prêcher l'évangile, qui gens que nous, si nous avons un écartement entre moi et moi avec l'autre monde, qui gens que nous sommes capables de prêcher nous plus près de bon Dieu. Et finalement, l'église est capable de démarrer, l'église Bethléem a démarré pour des bons. Nous disons ça pour des bons, finalement. Que Jésus est capable de retourner et nous tous capables de sauver. Merci. Encore une fois, nous remercions nous et pour nous capables de finir, nous pouvons lever, pour nous capables de chanter dans le numéro 346. Et c'est comme ça, nous avons demandé à Frère Filton pour capable de prier. Nous invitons nous pour nous capables de chanter avec nous numéro 346 à de nouveaux combats. Se vous ne que vainqueur et non seul.
Paroles que vous dévoyez pour nous sur les petits groupes. Je vous demande de grâce, permettre que les paroles soient capables d'appliquer parmi nous à Bethléem, afin que l'Église soit capable d'aller vers l'avant pour la gloire de ton Seigneur. Ou béni, serviteur, servant, tout que. Ou t'es choisi pour présenter le sujet ça à Souéa, ou avoir ou davantage afin que vous capable de continuer à former ton peuple. Maintenant, nous arrivons à un moment côté nous pour aller laisser lieu ça pour nous entrer à la maison, que vous êtes capable de conduire nous par tes saints anges et que ton esprit soit avec nous, qu'on soit va accorder nous une bonne arrivée à la maison et surtout une bonne nuit. Permettre que nous soyons capables de retourner demain matin si Dieu veut pour que nous soyons capables de continuer bonne gloire, honneur et louange que vous-même seul vous méritez. Voyez-nous aller avec paix et grâce. En Jésus, notre Sauveur, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.